Oui. On inscrit papa à Koh-Lanta? On inscrit papa à Koh-Lanta? Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé d'inscrire Roro, ou du moins de faire semblant d'inscrire Roro à Koh-Lanta. Tout simplement, je vais préparer un dossier d'inscription, entre guillemets, que je vais mettre sur PC. Je vais mettre sur le site de MyTF1, en gros, comme si j'avais fait son inscription. Et je vais tout simplement lui faire croire que je l'inscris à Koh-Lanta. Là, je suis tranquille, toute seule à la maison, toute l'après-midi, parce que Roro est parti avec sa famille. Du coup, il revient en fin d'après-midi, logiquement, si ce n'est début de soirée. Du coup, je vais devoir attendre pour filmer sa réaction quand je vais lui annoncer que je l'ai inscrit. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir sa réaction. Je sais pas du tout comment il peut réagir, s'il serait content ou pas du tout, ou s'il serait énervé contre moi d'avoir pris la décision pour lui. Mais c'est vrai que Koh-Lanta pour nous c'est une des meilleures émissions, genre c'est vraiment celle qu'on regarde toutes les années, parce que bah, c'est une des seules émissions de télé-réalité entre guillemets qui est restée authentique. Vraiment c'est une émission qu'on adore tous les deux, et c'est vrai qu'on avait déjà parlé de s'inscrire à Koh-Lanta, mais on n'a jamais passé le cap, dans le sens où on sait même pas si on oserait y aller, on sait même pas si on tiendrait une demi-heure là-bas, donc tu vois. Un peu compliqué. En tout cas, gros objectif pour vous, puisque à 30 000 pouces bleus sur cette vidéo, on s'inscrit vraiment à Koh-Lanta. N'hésitez pas à liker cette vidéo au maximum. Si vous voulez, peut-être qu'on tente notre chance et qu'on s'inscrive à cette émission-là. Peut-être qu'on serait... Putain, mais imagine, je sais pas, imagine vraiment, je sais pas, vous mettez les 30 000 pouces bleus, on s'inscrit, genre on est sélectionné, mais c'est la merde. En tout cas, j'ai une énorme idée, puisque en ce moment, il y a tout le monde qui regarde Koh-Lanta, tout le monde aime cette émission, et ça depuis des années, et ben j'ai décidé, et je vais en parler aussi à Roro, qu'on allait refaire quasiment toutes les épreuves de Koh-Lanta à la maison, entre guillemets, au sens où on sera que deux participants, donc il y aura Roro et moi, et à chaque fois, il y en aura un des deux qui va gagner une épreuve. Il y aura par exemple toutes les épreuves de dégustation, faire le feu, je peux pas vous citer toutes les épreuves qu'il y aura, mais il y en aura énormément, et franchement j'espère qu'il va kiffer l'idée, parce que franchement moi ça me tente de ouf. Ce genre de vidéo challenge j'aime vraiment trop. Du coup n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous aimeriez qu'on fasse ce genre de vidéo. En tout cas lui pour le moment il est pas encore au courant de ce que je veux faire, mais moi c'est sûr et certain je veux le faire. Alors c'est sûr qu'on pourra pas faire toutes les épreuves, parce que en termes de réalisation ce serait beaucoup trop long, et puis même on peut pas toutes les reproduire, il y en a qui seront dans la mer, on n'est pas à la mer là tu vois, on est chez nous dans notre jardin, donc forcément qu'on peut pas toutes les faire. Mais en tout cas si vous êtes chaud, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner également. Moi on est en route vers les 800 000 abonnés, et à bien évidemment rentrer le code créateur duo dans les petits Fortnite, c'est très très important et ça nous aide aussi énormément. Et puis moi tout simplement je vous dis bon visionnage. Bon là je vais juste me mettre sur le site de MyTF1 dans les inscriptions de Koh-Lanta, et je vais aller préparer un truc sur Photoshop, genre dossier d'inscription Koh-Lanta, et je vais l'imprimer et je vais juste lui montrer la feuille, et puis voilà, ce sera tout. Je vais juste attendre qu'il arrive, parce que du coup il est parti en début d'après-midi, ça fait bien 2 heures qu'il est parti. Bon, on va devoir attendre un petit peu. Je vais préparer tout ça pour l'instant, je vous filmerai dès que j'aurai terminé, juste avant qu'il arrive. J'espère qu'il arrivera pas trop tôt non plus, parce qu'il faut me laisser le temps de tout préparer. Allez, c'est parti. J'ai trouvé encore mieux, puisque directement sur le site il y avait un dossier d'inscription pour Koh-Lanta, sauf qu'en bas c'est marqué avant le 20 mars 2020, mais ça il y prêtera pas attention. Du coup je vais tout remplir à sa place et on verra ce que ça donne. Je lui montrerai son dossier rempli, je lui dirai que de toutes les manières je l'ai rempli sur internet aussi, mais c'était juste pour l'envoyer aussi par papier, et trop tard c'est envoyé par mail, donc pas le choix. J'ai fini de remplir son dossier. Là, bon, je vous ai pas mis les informations qui puissent paraître en vidéo, parce que bon, on est quand même en vidéo. Et je vous dirais que de toutes les manières, j'ai rempli sur internet. Là, j'ai tout rempli, mais c'est plus pour lui montrer un papier plutôt qu'autre chose. Et là, pareil, il y avait décrivez-vous en quelques lignes. Pourquoi voulez-vous participer à Koh-Lanta? En quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie? Et pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre? Ensuite, photo 1, portrait en gros plan. Photo 2, photo en pied. Et photo 3, photo en maillot de bain. Je dirais que j'ai tout sélectionné sur mon PC en termes de photos et j'ai tout envoyé. Et puis, on n'a plus qu'à attendre. Il est 18h10, il n'est toujours pas rentré. Donc, je commence à m'impatienter. Et j'ai décidé de mettre son truc d'inscription dans une enveloppe, genre comme si un cadeau, t'es une surprise ou quoi, comme ça il le verra pas directement, je lui donnerai l'enveloppe et on verra à sa tête quand il va découvrir que c'est un dossier de candidature. À mon avis il va bégayer mais sale. Du coup on va attendre qu'il rentre et puis voilà, bêtement. Là on va lui écrire pour toi mon amour. Je sais pas s'il va bien le prendre, mais hop là. Ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il y a maman? Je suis en vidéo là. Ah, ils sont contents. Hein. Oui, ils sont contents, t'es content. Oui, ça c'est de l'amour. Allez, doucement, Xena, Xena. Pourquoi t'es en vidéo? J'ai quelque chose à te donner. Viens, quoi? Je dois t'annoncer un truc. Dis-moi. Ah, une lettre.
Je suis content. Il y a de l'argent dedans? Non. Bah, je sais pas, moi, quand je reçois des lettres comme ça. Non. Pour toi, mon amour. Alors, c'était bien? Qu'est-ce que c'est? Comment ça, c'était bien? Ouais, ça va, tranquille. Attends, j'ai soif un peu avant. Avant d'ouvrir. Coco, allez, viens. C'est quoi? Tu vas voir, vas-y, ouvre. Oui, ça se fait comme ça. Dossier de candidature Koh-Lanta, mais what, quoi? Je te renscris. Non. Je te jure, je te renscris. Profession, soyez précis, éditeur de vidéos en ligne, mais what the... Mais non. Je te jure, je t'inscris. Âge 22, prénom Marie. Après, j'ai pas pu tout montrer, en fait, je t'explique. Ouais, ça, c'est plus papier que papier. Je t'ai inscrit sur internet parce que je pouvais pas leur montrer toutes ces informations aux abonnés, mais je t'ai inscrit à Koh-Lanta. Genre, attends, au prochain. Quand je m'absente un petit peu, toi, le dernier truc que tu trouves à faire, c'est de m'inscrire à Koh-Lanta. Non, sérieux? Non. Ouais, si, si. Non. La saison prochaine. Mais bah, je suis pas prêt. Non, mais attends, non. C'est pas dit que tu sois sélectionné, mais je t'ai inscrit. Ouais, mais même, je suis pas prêt. Nombre d'enfants. Études de profession 0. Tu t'es même pas mis toi, situation de famille, si conjoint ou ami. Ah, j'ai pas vu. Merde. Sauf j'ai mis en haut, j'ai mis sur le mec. Non, mais je suis choqué, arrête. Bah, bon, tu sais que je voulais pas, mais c'est pas autorisé d'inscrire quelqu'un à sa place. Bah, si, c'est une surprise. Pas, bah. Après, c'est soit tu y vas, soit tu y vas pas, mais dis-toi, j'ai envoyé des photos de toi en maillot de bain. Ouais. Une photo de toi aussi. Regarde, c'est demandé la fin de l'année. Regarde. Photo 3, une photo en maillot de bain. Photo 2, une photo en pied et un portrait en gros plan. Le portrait en gros plan. Photo en pied? Bah, une photo de toi en entier, genre. En entier, une photo de toi en maillot de bain et j'ai pris des photos de cet été. Arrête, bah. Si, 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 si. Avec la complicité de les abonnés. Non, arrête. Si? Bah, on avait dit. Alors, on n'avait pas dit qu'on allait faire comme un dame, on avait dit qu'on aimerait bien, on est d'accord. Non, mais là maintenant, j'ai envie de me faire machine arrière. C'est pas une machine arrière, non, mais c'est quoi? T'imagines, t'es sélectionné? Arrête, Bob, fallait pas m'inscrire comme ça. T'as peur? Bah, je sais pas, fallait pas m'inscrire comme ça. Surprise, mon enfant, quoi? T'as l'air tout pas bien là. Bah, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais arrête, imagine, t'es sélectionné, wesh. Ouais, c'est trop bien. Je aux anges de la télérité, tu vois. Oui, bah oui. Non, mais arrête, sérieux, c'est pas vrai, dis-moi juste que c'est pas vrai. Bah, je sais pas, ça ferait quoi si c'était pas vrai? Bah, je sais pas, ça me soulagerait un peu, je t'avoue. T'es pas bien? Je sais pas, c'est bizarre, hein, non? Attends, on a même pas parlé de toi avant, c'est une blague? Ouais, c'est une blague. Non, en vrai, je t'ai pas du tout inscrit. Par contre, j'ai quelque chose à... Tu m'as fait peur, hein? Tu m'as fait peur, hein? Ah ouais? Bah, bab, je sais pas, genre, tu m'inscris et tout, moi, je suis pris de court, en plus, j'ai filmé. Vas-y, coupe-moi ça, là. Par contre, j'ai quelque chose quand même à t'annoncer, ouais. Et que j'aimerais bien te proposer. Tu sais, on kiffe Koh-Lanta. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça te dirait qu'on reproduise toutes les épreuves de Koh-Lanta en vidéo pour les abonnés? Toutes, je sais pas si. Pas toutes, toutes, mais une grosse partie. On peut le faire. Ah, mon quick, il pourrait le faire. Bah ouais, pourquoi pas, hein, je suis chaud. C'est vrai, t'es chaud? Vas-y. Ok. Putain, je m'attendais pas à ce que tu me dises oui après ça, genre. Non, mais vraiment, tu comptes nous inscrire? Bah, je leur ai dit, moi, à 30 000 pouces bleus, on nous inscrit. Non. On s'inscrit, je te jure, j'aurais dit ça. Tu vas vraiment nous inscrire à 30 000 likes? Ouais, ouais. Ok, et ben ça c'est une fausse inscription, on est d'accord? Oui, c'est une fausse. Par contre, c'est le vrai formulaire. Hé, c'est le vrai formulaire! Ah, c'est le vrai formulaire? Mais oui, c'est le vrai! Je vais le jeter vite, hein. Arrête! En vrai, franchement, tu me prends de court. Tu me prends de court? Parce que des fois, on en a déjà discuté, quoi. On en a déjà. Viens, on le fait. Vas-y, à 30 000 pouces bleus, la dernière heure, on le fait. C'est bon. Au moins on postule, après c'est pas dit qu'on soit pris, t'imagines où on est pris? Pris de court, hein. C'est ce que je leur ai dit, imagine on a les 30 000 likes, on postule, on est pris. C'est la merde. Allez, vas-y, coupe-moi ça là avec tes vidéos de merde. Tu vois, je suis pas là, quand je suis pas là, ça part tout le temps en couille. Genre c'est tout le temps des trucs. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, vous voyez, il fait nuit, donc bon. Tu sais que je t'ai attendu archi longtemps quand même. J'ai commencé à faire tout ça, c'était 15 h. Ouais. Voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas un maximum de pouces bleus si vous voulez qu'on s'inscrive vraiment. Et vraiment là il n'y aura pas le choix. N'oubliez pas de vous abonner, très très important. Et de rentrer le code créateur du jour dans un petit Fortnite, c'est très très important aussi. Et puis on vous dit ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.